nori, l'algue rouge venue du Japon. Le nori est une algue rouge originaire du Japon. Il fait partie des algues les plus nutritives et est l'une des rares sources végétales de vitamine B12. Bienfaits du nori. Source de protéines végétales. Source d'antioxydants. Stimule le système immunitaire. Source de vitamine B12. Potentiellement anti-cancer. Qu'est-ce que le nori? Le nori, qui signifie « algue » en japonais, regroupe différentes espèces d'algues rouges comestibles. Ces dernières font partie du genre Porphyra et sont originaires d'Asie, Chine, Japon, Corée. Parmi les principales variétés cultivées, on peut citer le Porphyra etanensi, le Porphyra tenra ou encore le Porphyra yezoensi. Il se développe dans les eaux froides grâce à la photosynthèse. En fonction des variétés, elles peuvent mesurer jusqu'à 60 cm de long. On en trouvera également en poudre ou en paillettes pour l'assaisonnement des plats. Comme le wakame, une autre algue japonaise, le nori se distingue par ses grandes qualités nutritionnelles. Ainsi, il est une excellente source de protéines végétales et, dans une moindre mesure, de vitamine B12 biodisponible. Intéressante pour les végétariens, cette algue est aussi antioxydante, immunostimulante et potentiellement anti-cancer. Le nori est aujourd'hui l'une des algues les plus consommées au monde grâce à sa présence dans les sushis et makis japonais. Au Japon, sa culture se situe principalement dans la région de Saga, située au bord de la mer d'Ariake. Parce qu'elle nécessite une main-d'œuvre importante, sa culture permet de faire vivre de nombreux producteurs de la région. Composition nutritionnelle. Acides aminés. Vitamines, provitamine A, B2, B3, B9, B12, C, E. Minéraux et oligo-éléments, sodium, calcium, fer, zinc, phosphore, potassium, iode, manganèse, cuivre. Protéines. Glucides. Fibres. Acides gras, oméga-3. Actifs antioxydants, composés phénoliques, polysaccharides. Les bienfaits du nori. Source de protéines végétales. L'algue nori fait partie des meilleures sources de protéines végétales. Ainsi, 100 g de nori séché contient environ 36 g de protéines. Il s'agit de protéines de qualité qui contiennent de nombreux acides aminés, glycine, alanine, valine, tyrosine, phénylalanine, arginine. Cette teneur élevée est particulièrement intéressante pour les personnes végétariennes, végétaliennes ou véganes. Cette algue permet de répondre aux besoins journaliers recommandés en protéines et ainsi d'éviter les carences. Cette revue de l'Université du Jiangsu, Chine, détaille la composition nutritionnelle des différentes variétés d'algues nori et notamment leur teneur en protéines. Source d'antioxydants. L'algue nori renferme de nombreux antioxydants dont des composés phénoliques et des polysaccharides. Elle contient notamment du fucoïdane, un polysaccharide sulfaté qui piège les radicaux libres et empêche leur installation au sein de l'organisme. De plus, elle contient des nutriments antioxydants comme de la vitamine C et du manganèse qui protègent les cellules contre le stress oxydatif. Cette étude de l'Université de Nagasaki, Japon, réalisée en laboratoire, s'est intéressée à l'activité antioxydante du porphyrane, un polysaccharide extrait du nori. Stimule le système immunitaire. L'algue nori semble avoir une action bénéfique sur le système immunitaire. Ainsi, sa consommation stimule les macrophages, globules blancs, qui constituent le premier mécanisme de défense contre les agents infectieux. De plus, l'algue active la protéine NFB, Nuclear Factor Kappa B, impliquée dans la réponse immunitaire. Cette étude du Collège de médecine de l'Université d'Ulsan, Corée du Sud, menée sur des souris,
montre comment le nori active la réponse immunitaire. Source de vitamine B12. Comme la clamate, il renferme de la vitamine B12. Mais seul le nori séché contient de la vitamine B12 biodisponible, c'est-à-dire assimilable et pouvant être utilisée directement par l'organisme. Cette algue est donc intéressante pour les végétariens et les végétaliens, qui doivent tout de même adopter une supplémentation pour éviter les carences. Cette étude du Hagoromo Gakuen en collège, Japon, menée sur des rats, montre la biodisponibilité de la vitamine B12 du nori séché. Potentiellement anti-cancer. Grâce à sa richesse en polysaccharides antioxydants, le nori exerce une action anti-cancer. Ainsi, il s'est montré efficace pour ralentir la croissance des cellules cancéreuses. De plus, il induit l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée des cellules malades. Il présente donc un fort potentiel pour la prévention et le traitement des cancers. Cette étude de l'université de Shantou, Chine, menée sur des cellules humaines, montre les effets anti-cancers du nori. Comment consommer le nori? L'algue nori fraîche. On trouvera des algues nori fraîches dans les magasins spécialisés, les épiceries asiatiques ou sur Internet. Après la récolte, elles sont simplement conservées dans du sel. Avant de les consommer, il est donc nécessaire de les rincer puis de les dessaler dans de l'eau pendant 10 minutes. Coupée en fines lamelles, l'algue fraîche se marie parfaitement avec les salades, les légumes, le riz, les pâtes, les potages et soupes miso. Il possède une saveur douce et parfumée, entre la noisette et le champignon. Les feuilles séchées de nori, c'est le format le plus facile à trouver. Après la récolte, les algues nori sont coupées puis pressées et séchées afin d'obtenir de fines feuilles. En fonction des variétés, les feuilles adoptent une couleur vert clair, vert foncé ou vert noir. Le vert foncé est le plus souvent utilisé pour envelopper les maquis tandis que le noir est le plus rare et le plus cher. Quelles sont les valeurs nutritionnelles de l'algue nori? Outre ses utilisations culinaires, l'algue nori est également très nutritive, elle contient des nutriments essentiels, ce qui en fait une algue aux multiples atouts santé. Il s'agit également d'une riche source de fibres alimentaires, qui favorisent la santé digestive et peuvent contribuer à la perte de poids. L'algue nori est également riche en antioxydants qui contribuent à protéger l'organisme des dommages oxydatifs des radicaux libres et peuvent offrir une protection contre certains types de cancers et contre le vieillissement cellulaire. En outre, l'algue nori aurait des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire les symptômes associés à l'inflammation chronique. Les feuilles de nori sont riches en polyphénols, qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques. L'algue nori est une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels. Vous pouvez utiliser les feuilles séchées pour préparer vos propres sushis et makis japonais. Humidifiez-les légèrement avant de réaliser vos rouleaux. Les feuilles peuvent aussi être grillées et sont alors appelées « yakinori ». Elles apportent une saveur relevée au ramen, aux nouilles soba, aux omelettes, aux sauces. Elles peuvent même se déguster telles quelles à l'apéritif ou comme collation au cours de la journée. Consommer durable, privilégier le nori bio, local et équitable. À lui seul, le Japon produit environ 400 000 tonnes de nori par an. Sa culture s'étend en Chine, en Corée du Sud mais aussi en Europe comme en Espagne et en France. Il se plaît particulièrement dans les zones rocheuses des côtes bretonnes où il pousse à l'état sauvage. Récoltées de novembre à avril, les algues sont ensuite égouttées sur des clayettes. Si vous le pouvez, choisissez du nori origine France, sauvage et cueilli à la main.
S'il provient d'une culture, privilégiez les filières biologiques et ou équitables. Posologie. On recommande de consommer 20 à 30 g d'algues fraîches par jour. Il n'existe pas vraiment de posologie pour les feuilles de nori séchées. Veillez simplement à ne pas en manger en excès. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de nori présente certaines contre-indications, parce qu'il est naturellement salé, les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent en consommer avec modération. Sa consommation est déconseillée aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde, d'une insuffisance rénale ou d'une maladie cardiaque. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent demander conseil à leur médecin avant d'en consommer. Le nori présente très peu d'effets secondaires. Seule une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables sur les reins, le foie et la thyroïde. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.